Conséquence directe de la politique de l'enfant unique, la Chine manque de filles et donc de femmes. Pour résoudre l'équation, certains Chinois achètent des épouses, des Vietnamiennes arrachées à leur pays. La traite des femmes au XXIe siècle, Alain Chalvron, Sylvain Giaume. Dans ces campagnes du Hunan, au cœur de la Chine, les paysans vivent plutôt bien. La terre y est riche, l'eau ne manque pas, on fait 2 récoltes de riz par an. Non, le problème de ces paysans n'est pas économique. Le problème, c'est le manque de femmes. Résultat de la politique de l'enfant unique, en Chine, naissent 118 garçons pour 100 filles en moyenne nationale. À la campagne, c'est pire encore. Les femmes n'hésitent pas à se faire avorter si elles savent qu'elles attendent une fille. Question de tradition. À 34 ans, Hu Xianfa commençait à désespérer de trouver une épouse et donc de fonder une famille. Et ça le minait tellement que sa mère a décidé d'employer les grands moyens. En octobre 2008, c'est ma mère qui a proposé d'acheter une femme par des intermédiaires dont elle avait entendu parler. Oui, parce que par ici, on ne trouve pas de femmes locales. C'est très rare. La pratique des achats d'épouses n'est pas rare en Chine. Les roues cassent donc leur tirelire. 4400 euros, une jolie somme dans ces campagnes. Et voilà que des intermédiaires proposent 7 jeunes femmes. Photocopie de ses documents d'identité à l'appui. Yang Jinmei, 19 ans, originaire du Yunnan. Malheureusement, tout est faux. En fait, elle a 15 ans et vient du Vietnam. Elle m'a raconté qu'elle était vietnamienne et qu'elle avait été enlevée alors qu'elle allait au marché avec sa mère de l'autre côté de la frontière en Chine. Elle a été enfermée pendant 15 jours avant que je l'achète. Le trafiquant lui a dit « Tu as le choix, ou bien tu me laisses faire, ou bien tu deviens une prostituée. » Une petite fille, Li Man, beauté parfaite en chinois, née de cette union en 2009. Le couple improbable entre ce paysan du Hunan et l'adolescente vietnamienne kidnappée devient une vraie famille. Et cette triste histoire aurait pu se terminer en happy end. C'est alors qu'en août, une voisine, une autre vietnamienne, disparaît, sans doute pour être vendue une seconde fois. La police s'en mêle et découvre qu'il n'y a pas dans le village une ou deux vietnamiennes, mais une soixantaine, et qu'il y en a des milliers dans toute la Chine. Yang Tingmei est alors arrêtée pour immigration clandestine, évidemment. Enlevée à 15 ans, elle n'a pas de visa en bonne et due forme. Cela fait déjà plusieurs semaines qu'elle est détenue. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'elle soit libérée et qu'elle revienne à la maison le plus vite possible. Yang Tingmei est depuis le 23 août dans le centre de détention du district, en attente probablement d'une expulsion. Et pendant ce temps, le trafiquant, dont on connaît pourtant l'identité, court toujours.